Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite carte Saint-Nicolas. Donc, je vais déjà vous présenter le matériel que j'ai utilisé. Donc, une simple base de cartes, toujours la même chose que j'ai faite moi-même dans du simple carte stock blanc A4 que j'ai embossé grâce à l'aide de ce classeur d'embossage. Voilà. Ensuite, j'aurai besoin d'un petit sapin de cette planche-là de stickers. Je vais utiliser de ça un petit sac Saint-Nicolas. Voilà. Je vais utiliser également de la une petite étoile avec écrit Merry Christmas. Voilà. Donc ils sont en 3D et ces sapins aussi, ils sont en 3D. Et là, des simples stickers. Je vais prendre ce Saint-Nicolas ici. Par contre, je vais y mettre de mon petit coussinet antistatique, la poudre, pour qu'il soit plus collant, et je vais le mettre aussi en 3D à l'aide de mousse 3D. Voilà. Et je vais encore utiliser une petite maison de cette planche de stickers là. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir commencer. Donc je prends ma base de cartes. J'ai fait à l'aide d'un simple dice de bordure une découpe comme ceci. J'ai mis de la mousse 3D dessus. Donc maintenant, j'ai plus qu'à enlever toutes les petites particules qu'il y a dessus en plastique. Voilà. Oups. Comme ça. Et la dernière. Et comme ça, je vais pouvoir venir la coller en bas de ma carte, bien bord à bord, de chaque côté et en bas, que ce soit droit. Voilà. Je vais venir ici découper le surplus. J'ai un peu de surplus. Simplement à l'aide du ciseau. Donc voilà. Maintenant, je vais prendre mon petit sticker et lui enlever mon petit sticker Saint-Nicolas et lui enlever son côté collants. Ils sont bien, ils sont un peu épais, ils sont pas trop trop fins. Voilà, mais ils collent bien. Voilà, je prends mon petit coussinet. Je mets bien de la poudre partout pour qu'ils soient plus du tout collants. Voilà. J'enlève un peu le surplus de poudre. Je vais venir y coller mon morceau de mousse 3D. Voilà, je vais coller mon morceau au dos. Je vais reprendre donc ma carte et je vais venir, je pense, le mettre par ici. Voilà, je sais pas encore. Ah, je vais aussi enlever
J'avais oublié la petite maison, son côté. Donc, je vais prendre le sticker de cette maison-là que j'ai envie de mettre. Et je vais de nouveau venir avec mon coussinet enlever le côté collant. J'enlève le surplus. Je vais donc venir avec ma mousse 3D mettre. Il faut que je prenne le ciseau exprès pour la mousse 3D. Je vais venir en couper un morceau. Voilà. Comme ceci. Donc, je vais mettre la maison par ici. Un peu dessous. Je vais venir mettre mon bonhomme par là. Là, par contre, la maison, je suis en train de me rendre compte que ça va être mieux. En fait, sans la mousse 3D. Voilà. Pour que je puisse le glisser en fait là-dessous. Ouais. Comme ça, c'est mieux. Donc, je vais la mettre tout simplement là. Ensuite, je vais mettre un petit sapin. Comme ceci. Par ici. Du coup, j'aurais pu ne pas enlever le côté collant, mais j'ai mal réfléchi. Ensuite, mon petit sac de Saint-Nicolas. Là, par contre, là derrière, je vais mettre un petit, tout petit bout de mousse 3D. Oh, ça va être encore trop grand. Vraiment qu'il soit tout petit. Voilà. J'enlève la pellicule. Je viens donc mettre, peut-être si c'est droit c'est mieux. Voilà. Je viens mettre mon petit sac Saint-Nicolas ici. Lui, je vais le mettre, je crois, moitié dessous, dessus. Donc je vais couper ici. Alors là, j'ai un petit bout qui s'enlève. À cause de la mousse 3D, il ne s'enlève pas. Donc je vais couper aussi un morceau. Voilà, pour pouvoir enlever là le milieu. Plus je vais couper juste ici entre les deux pieds. Voilà, sans que ça se voie. Ça se voit pas du tout. Pour que je puisse en fait mettre un pied, je vais mettre un pied dessus et un pied dessous, comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais mettre ma petite étoile. Oups. Avec le mot Merry Christmas.
Donc, faut que je regarde qu'elle soit dans le bon sens. Et je vais venir la mettre ici. Voilà. Je vais venir mettre ici en bas. Alors, parce que je trouve que ça fait quand même un peu vide. Je vais venir mettre encore un petit oiseau ici. Non, ça ne me plaît pas. Je vais plutôt venir mettre alors une autre étoile. Une grande et une plus petite, comme ceci. Voilà. Et ici en bas, je crois que je vais venir mettre encore un bonhomme de neige. Voilà. Comme ceci. Ça, faut encore que je le colle. Vu que j'avais enlevé son côté collant, donc ma colle. Je la visser à peine dessous. Je la mets droite. Et voilà. Comme ça, elle me plaît bien. Voilà donc ma carte finie. Moi, elle me plaît bien. J'espère qu'à vous, ça vous plaira aussi. Et voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye.